Et d'ailleurs, l'hiver n'a pas dit son dernier mot, hein, c'est clair, quand on entend Brigitte. On va se rendre sur le terrain parce que oui, le mercure est à la baisse un peu partout, mais dans l'est du Québec, Anne-Julie, c'est jusqu'à 30 cm de neige là, qui sont attendus dans certains secteurs et on le voit très bien, là, c'est très parlant, ça tombe pas mal. La neige a débuté dans les alentours de 7h45, 8h, et par la suite, eh bien, il neige depuis. Les avertissements de tempête hivernale sont en vigueur en ce moment. Et on prévoit également du vent à 40 km à l'heure avec des rafales à 60, même 70 km à l'heure. Donc, voilà, beaucoup de neige, possibilité de poudrerie. D'ailleurs, la SQ confirme plusieurs sorties de route pour nos secteurs et même des collisions. Certaines personnes ont été amenées à l'hôpital, mais pour des blessures mineures. C'est le retour de l'hiver et les déneigeurs sont de la partie. C'est sûr que ça a été un hiver assez doux, donc on doit s'y remettre. D'ailleurs, la neige, elle est lourde, elle est difficile. Je vous laisse écouter quelques mots. Le mois de mars, c'est le pire. Ouais, c'est de la neige chaude, de la neige mouilleuse, elle est glissante. Même si les gars font attention puis ont des consignes à respecter là, avec des distances pour être prudent, pour avoir d'accrochage, bien, inévitablement, c'est tellement coulant puis imprévisible le mois de mars que oui, il y a des petits accrochages, c'est de la neige qui est beaucoup plus dure à travailler.